très spéciale vidéo concours de blagues nulles. Et oui, on va se taper des barres, enfin. Et on va démontrer des barres de blagues qui sont nulles. Voilà. Et à la fin, celui qui perd, celui qui en gros aura rigolé le plus de fois aux blagues de l'autre, devra, attention, jeter son téléphone. Et pas de n'importe où, hein. Regardez ça, regardez. Il devra jeter son téléphone là, jusqu'à par terre. Ok, c'est parti. Donc alors, je vais vous expliquer le concept. On va devoir faire 7 blagues chacun, 7 blagues nulles chacun. Et non, blague, en fait, les miennes elles sont nulles, donc c'est parce que... Ouais, c'est des non-blagues. Alors, la non-humour de l'homme va faire son entrée. Alors, donc on va devoir dire 7 blagues nulles, chacun notre tour, chacun. Chacun notre tour, chacun. Alors, voilà, alors 7 blagues nulles, chacun notre tour. Et à chaque fois que quelqu'un dit une blague nulle, l'autre il ne doit pas rigoler. S'il rigole, il gagne un point. Et à la fin, celui qui a le plus de points jette son téléphone de là-haut. Let's go, Adri commence la blague. Ok, c'est parti. Alors, faut que tu me regardes. Quelle est la plus intelligente? La blonde, la rousse ou la brune? La brune? Non, la rousse parce que c'est un dictionnaire. Ok, j'ai fait la première à Lucas. Et donc c'est parti, on démarre. Go. Let's go. Alors, c'est un monsieur, il entre dans un musée, et là, il dit « Ah, c'est moche !» Donc le guide lui dit « Ça, c'est du Picasso, monsieur. » Donc il avance 3 mètres plus loin, et là, il dit « Ah, c'est moche !» « Ça, c'est un miroir, monsieur. » D'accord. C'est un échec, c'est un échec. Bon, toujours 0-0. Ok. Ok. Un chien et un homme sont sur un bateau. Le chien pète, l'homme tombe à l'eau et se noie. Quelle est la race du chien? Un Pékinois. Un Pékinois. Ok. Quelle est la différence entre une échelle et un pistolet? Je sais pas. L'échelle sert à monter, le pistolet sert à descendre. Okay. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Dans un hôpital, deux fous jouent aux cartes. Soudain, une infirmière arrive avec une seringue. L'un des deux fous s'écrie « Tiens, voilà la dame de pique !» C'est bien de la merde. Ouais. Faut pas... Une camionnette, c'est un petit camion. Une fourchette, c'est une petite fourche. Une barrette, c'est une petite barre. Alors, qu'est-ce qu'une salopette? Un zéro pour moi. Un zéro pour lui. Ok. Pourquoi un chasseur emmène-t-il son fusil aux toilettes? Pour tirer la chasse. Arrête les blagues. Deux ouvriers vont travailler sur la tour Eiffel. Soudain, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié leur maître. À quelle hauteur sont-ils? Ils sont à 200 mètres. 200 mètres. Let's go, la maison vient de se faire envahir par des zombies, comme dans Fortnite. Let's go. Quel est le point commun entre une baleine et un prof sympa? Je sais pas. Ils sont tous les deux en voie de disparition. C'est un mec qui dit... Il dit... Docteur, je crois que j'ai besoin de lunettes. Et là, le mec, il dit... Effectivement, ici, c'est une banque. Non, c'était pas bon. Deux amis se rencontrent. L'un joueur invétéré dit à l'autre: il faut que je t'annonce une grande nouvelle. J'arrête de jouer. Plus de casino. Plus de tiercé. Plus de poker. Bravo, lui dit l'autre. Mais pardonne-moi. Te connaissant, j'ai du mal à y croire.
Je suis même sûre que tu ne le tiendras pas. Ah bon? Tu paries combien? C'est un gars qui se promène au bord d'un lac. Tout d'un coup, il voit quelqu'un qui se débat dans l'eau en criant « Help! Help !» Alors il lui crie « Hey idiot, t'aurais mieux fait d'apprendre à nager au lieu d'apprendre l'anglais. Help! Help !» C'est interrompu par un appel du père d'Adrien. Bon, on attend. Ah, génial. Let's go. Enfin, ça reprend. C'est un jeune homme qui rentre dans une boucherie et dit au boucher « Je voudrais la main de votre fille. » Et le boucher, il répond « Ok, avec ou sans os ?» Papa, c'est vrai que tu m'aimes pas. Mais non, fiston, tiens, prends ton ballon et va jouer sur l'autoroute. C'est un gars, il se promène dans la rue, il passe et tous les matins, bah, il passe à côté d'un asile de fous. Et là, il entend un petit bruit dans l'asile de fous. Il entend 22, 22, 22, 22, le chiffre 22. Et en fait, il regarde par il y a un petit trou par le mur pour voir ce qui se passe. Là, il met son œil, il fait aïe. Puis là, il entend 23, 23, 23, 23. Elle est pas mal, mais... Il y a un zéro pour moi, mec. Putain, j'arrive pas à te parler. Tu as pété ton tête. Elle est pas mal celle-là. Ça va parler de fruits. Savez-vous quel est le sport le plus fruité du monde? Oui. Attends, c'est. Ah, c'est la boxe. Parce la qu'on boxe. Met des. La boxe, parce que tu reçois une pêche en pleine poire et tu tombes dans les pommes et tu te ramènes plus ta fraise. De zéro! En plus, je la connaissais! Boum. En plus, je la connaissais, père! Comme un coup, je suis là! 2-0! Le pire, c'est que je la connaissais! Vas-y! Son père l'appelle. Ouais! Je vais aller voir Nina au théâtre. Ouais. Oui! Parle pas confiture chocolat. Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est bien. Tu vas rigoler. Vas-y. Attends. Regarde-moi dans les yeux. Attends. Tu connais le parfum Pur Hasard? Non. Alors tu mets ton doigt dans ton derrière, puis tu sens. Et si ça sent bon, c'est du Pur Hasard. N'importe quoi, si tu m'étonnes. Ah, pas mal celle-là. Deux ballons discutent. Si on allait s'éclater, t'es gonflé. Dernière round. Attention, là il faut vraiment qu'il me fasse rigoler sinon. Quelles sont les lettres les moins visibles de l'alphabet? F, A, C. F, A, C. Non. Non, désolé. Ah non. Oui. Non. Non. Non, non, non. Désolé. Alors, Adrien, quel ressenti? Tu vas devoir laisser tomber ton tel de la mezzanine. Bah, j'en pense que... Oh, merde. Allez, oh là. Ah mais moi j'ai pas encore de téléphone en fait, ma maman elle est pas d'accord. Ah bah défie ton ballon en fait hein. Au revoir. Mais purée, laissez-toi pas. Ah non. Et toi, t'en penses quoi hein? Alors Adri? Bah je sais pas comment le faire tomber là, je stresse à mort. Sur la coque, c'est mieux sur la coque. Comme ça? Bah ouais, comme ça, regarde. Ok. Parce que là en fait il y a l'écran, mais ouais comme ça. Franchement, je sais pas. Ok. J'ai peur. 1, 2, 3.
Je pense. En plus, il est bien tombé. Non, mec, mais en plus, mec, t'as oublié de mettre la coque. Non, sérieux, mec. Ah merde. Attends. Tu l'as pas pété? Mec, attends. Le verdict maintenant. Attends. Oh putain. Oh merde. C'est bien pété quand même. Oh my god. Merde, ça allume plus. Mec, mais t'as vu là? Attends, mets-le à la lumière. Viens le mettre à la lumière. Wesh, attends. Je suis dans la merde là. Regardez cette fissure. Mec, non. Attends, mais regardez. On appuie, il s'allume pas. Putain. Bon, on va RIP le téléphone. Attends. Attends, mais appuie un peu longtemps. Ah, putain, j'ai un bouton vert dans le doigt. Appuie un peu longtemps sur le bouton, genre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, likez, abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à divulguer notre chaîne, à en parler, parlez-en à votre famille, à vos parents, à votre grand-mère qui est à la retraite là, qui est là, qui mange toujours, qui regarde mots croisés là, qui fait ses mots croisés ou qui regarde question pour un champion, bah parlez-lui, comme ça elle s'embêtera un peu moins si elle regarde nos vidéos. N'est-ce pas Adrien? Vas-y. Parlez-en à votre petite grand-mère et à votre grand-père. Au revoir. Ciao, le petit chou d'Adrien.